Voilà. Alors, bon. J'attends le retour. Deux petites secondes. Voilà. J'ai le retour, voilà. Yo tout le monde, salut, c'est Etsama de la caverne Belga. Aujourd'hui, enfin ce soir, c'est, nous avons passé une heure, peut-être plus, avant 2017, quoi. Donc voilà, moi je fête pas le nouvel an. Donc pas de champagne, pas de bouffe chic, ce genre de conneries. Donc voilà, pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, ben merci de regarder toujours, hein, voilà quoi. Donc petite chose à préciser, vous voyez que je suis niveau 73, c'est parce que j'ai farmé en fait les objets à collecter. Donc ne paniquez pas, c'est juste ça quoi. J'ai aussi pris le Season Pass à 20€ avec le premier pack qu'on a, c'est-à-dire que ça transforme tous les zombies en bah vous allez voir. Vous allez voir. Donc vous allez voir, c'est vraiment assez c'est marrant parce que ça change aussi les armes. Les armes deviennent aux couleurs du de Noël quoi. Même si on n'est plus à Noël, on s'en fout. Ah là là. J'ai pas pu faire un live à Noël parce que je toussais assez souvent. Là, vous allez peut-être m'entendre tousser, donc je vous remets une excuse. Oh, le point de sauvegarde de merde! Ah, bon bah tant pis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les zombies sont en elf du Père Noël. Un lutin du Père Noël, devrais-je dire. Et donc oui, vous voyez, j'ai plus le même costume. Donc on ira changer après. Alors, on doit aller là-bas. Donc voilà, là, on s'était laissé aller voir la fille. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Ah, la sauvegarde de merde, quoi. Hop. Yeah! Bonne année! Ah! Ah, oh, c'est quoi là? Allez, monte! Ah merde! Ouais. C'est quoi? Bouclier et kit de soin, on va savoir. Ouais. Donc, j'ai ramassé donc des améliorations. Épée enflammée, épée de gel, ce genre de conneries. Qui était assez chiant à trouver d'ailleurs. Par exemple, il y en avait deux. Donc l'épée de flamme où je devais carrément prendre une armure assistée pour creuser le sol pour trouver le parchemin. Enfin, le parchemin. Le plan. Donc on va lui parler. De Darcy, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis son éditrice, et c'était un grand avant-poste d'Obscurus il y a encore 40 minutes. Une minute, t'es pas des là. Gens qui nous rejoignent. La même voix à la radio. Ah ouais, c'est mon personnage. Bonjour à vous, enfin bonsoir à vous. J'ai réalisé que personne ne m'écoute si je hurle pas tout le temps. En plus, c'est assez amusant. Bon, si vous êtes prêts à m'écouter, vous devriez peut-être fouiller pour voir ce qu'Obscurus fiche ici. La tête que j'ai. Je vais faire ça. Ouais, on va faire ça. Allez hop, on cherche, ta-ta-ta-ta-la. Alors... On voit que dalle là-dedans. Je vais prendre quoi déjà en photo? Ah, attends. Ah oui, ça. Déjà. D'après ça, ils ont un avant-poste de reconnaissance en haut du drugstore de Dodd. Et ils font la reconnaissance de quoi, au juste? Alors... Bon, là, on va s'amuser à chercher... Des objets. Non, ça c'est pas ouvrable. Attends, il y a un objet à prendre ici. Alors, là.
Qu'est-ce que tu veux que je prenne en photo? Ah, ça peut-être. Je peux prendre quoi déjà en objet? Ah, une autre vue. Ah, ok. Voiture renversée, voiture sur le toit, t'as une idée de ce que c'est? Une piste de dégâts. Et Obscurus la suivait. Ok, alors ici. Ah, il y aura. Splinter. Bon sang. Voilà. Ici, il n'y avait rien. Obscurus a fouillé ses classeurs à quoi, on dirait. Alors, ici, on peut prendre. Mon cul. Non. Un revolver, oui, bien sûr, c'est le meilleur endroit possible. Ouais, t'en fais pas. Ils ont fait ça à la va-vite. Je parie qu'ils ont laissé des dossiers derrière eux. Ouais, on va aller chercher. C'est juste que, si je me rappelle bien... Ah, on va fouiller ça. Ouais, ça c'est pas forcément intéressant. Des classeurs à tiroirs ont été vidés. Et peut-être qu'ils ont raté quelque chose. Ouais, ouais. Maintenant, faut que je m'amuse à chercher lequel j'ai oublié. Parce que... pistolet... Ok, c'est pas ça. Oui, je sais. Je cherche à savoir c'est lequel que j'ai pas ouvert. Ah, le bleu. Ouais, tu m'échappes. Voilà. Ah. Les archives des égouts et de l'assainissement. Ah. Les égouts descendent très profond. Qui sait ce qui rôde là-dessus? Ok, on va lui parler, mais d'abord on va aller chercher. Parce que j'ai trouvé une clé. La clé qui mène là. Je devrais peut-être y regarder de plus près. Ah ouais, d'accord. Le passage secret. Passage secret, passage secret. Yeah, des bonus. Une arme de fortune. Un lanceur. Alors. Une arme à feu. Ah, j'en ai pas. Ah, ça va, il y avait le. Hop là. On récupère ça. Ah ah! Yeah! Jamais, il y a peut-être quelque chose caché dans les chiottes. Bon. Allons-y. Ah, ce noir, quoi. Ok, allons parler à... Miss... Oh, pas plus besoin de cette vision. Attends. Peut-être prendre le pistolet, quand même. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'armes de... De pistolet, ce genre de choses. Il cherche quelque chose. Quelque chose de très dangereux. Ouais. Tu sais quoi sur cet avant-poste au Dodds Drugs? Il y a un sniper posté là-bas depuis des semaines. Ok, je vais aller voir ça. Bonne idée. Je dois vous dire, les 512 abonnés de mon podcast vont sauter au plafond en apprenant qu'on travaille ensemble. Ouais, je les comprends. À plus tard. Ok, va. On y va. Wow. Je sors à peine tranquille et toi tu m'agresses. T'as pas des cadeaux emballés, hein? Hein? Allez. Arrête ça tout de suite. Non. Salut, Brad.
Nos amis mercenaires se font appeler Obscuris. Obscuris. Wow. Les types changent souvent de nom entre deux opérations. Mais je vais me renseigner. En parlant d'opérations, ils doivent mener une chasse à l'homme. En tout cas, ils traquent quelque chose. Soyez vigilants. Waouh, les feuilles. Ah. Voilà. Parlant. 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 Du sang des tripes. Donc on peut dire que c'est vrai que cette vidéo sortira sur la chaîne demain. L'avant-poste doit se trouver au deuxième étage. Il reste plus qu'à l'atteindre. Alors, comment on va atteindre cet endroit? Par là? Enfin, je crois. Je suis pas sûr en fait. Non. Comment je peux atteindre cet endroit? Oh, c'est connard, me casse les couilles. Peut-être à l'intérieur. Ce qui m'étonnerait, mais bon. On va essayer. Y a-t-il un passage? Allez. Ah bah, ça mènera les zombies jusqu'ici. Ah, il y a des chances. Comment vais-je aller par là? Ah bah par là, oh ça va. Y'a un sniper quelque part? LOL! D'où... Comment cette bagnole est arrivée là? Bah ce, cette moitié de bagnole. C'est des zombies qui ont fait ça. Bah il doit être vraiment très très costaud hein. On voit qu'il y en a qui a mangé les biscuits du Père Noël hein. Ah oui, ici je suis déjà passé. Vous vous demandez ici, je suis déjà passé pour les plans. Ah, pour les passages à chacun. Alors, hein, les pièces, hein, fournissent. Ouais, ça je connais. Alors déjà... Coucou. Mortel. Ça peut pas être l'œuvre d'un zombie. Du moins, j'espère. Attends, on va boire une bière. Enfin, parce que j'ai bu. Ah, d'accord. J'ai un peu de mal à identifier le sujet. Le sujet. Bon, hop là, il y en avait une là. Hop là. Du tranquillisant pour le gros gibier. Certaines boîtes sont vides. Je sais pas ce qu'ils chassent, mais ça les chasse aussi. Ouais, ça c'est clair, ça les chasse aussi. On dirait qu'ils affrontent quelque chose. Je me demande s'il y a moyen de les écouter. Ouais, je pense, hein. On va aller leur dire bonjour. Hein. Ah! Abandonnez la mission, je répète, abandonnez la mission. Repliez-vous tous à la caserne. Il faut se regrouper et se rééquiper. On est coincé, on va pas! Putain de merde! Vous êtes tous en vie, rejoignez la caserne. Je répète, repliez-vous à la caserne, tout de suite! Qu'est-ce que vous pourchassez? Bon, je crois que je connais ma prochaine destination. Ah putain, c'est pixelisé ça. Salut, c'est Paula. Pendant que tu y es, j'ai besoin que tu vérifies quelques histoires pour le podcast. Si jamais je passe pas loin. Je t'envoie ce que j'ai. Lance-toi, poutre, fronce. Va chercher l'histoire. Trouve la vérité. Je t'appelle plus tard. Prêtez sur les rumeurs. Ok.
Donc là, faut retourner. On va pas sauter. On peut sauter. Oh! Oh! J'ai glitché. Ah, je croyais que j'avais glitché le jeu. Ok! Oh! Bon bah, allons-y, hein! Alors, enquêter sur les rumeurs, rendez-vous à la caserne. D'abord, les rumeurs! Enfin, les rumeurs, ça, ça a l'air dangereux. Bon, on va sprinter. Ah, pardon! Oups! Pour les rumeurs. Ça a l'air d'être un truc de what the fuck. Ah non! Moi. Eh oui, il est beau comme ça, hein, le survivant. 15 sur 15, ouais, je sais que j'avais déjà atteint. Depuis le temps que j'avais atteint. Tuyau de plomb. Ah, cool. Tuyau. Ok. Par contre, par où je sors? Par là, peut-être? Par contre, je dois vous dire que la nuit, c'est un peu chiant, quoi. Apôtre Franck, il se passe des choses flippantes. On a retrouvé des corps fourrés de cadeaux, comme le sac du Père Noël. C'est malin. Ah, c'est dégoûtant. Ah, c'est dégoûtant. Ho, ho, ho. Non, mais sérieux. L'hiver est cruel. What? What? C'est censé être une rime? Es-tu prêt pour le jugement? Non. Oh putain, je rêve. Non! Je ne crains pas la mort! Tu viens dans cette ville, tu craches sur son nom, tu pilles ses histoires pour t'en mettre dans les poches. Tu en veux toujours plus, n'est-ce pas? De qui tu parles? J'ai pillé qui? Le Père Noël? Toi qui pensais que les zombies étaient des connards? Tu moissonnes les nouvelles. Tu oh oui. J'en ai une grosse. Sale la terre pour que rien ne revienne. Amène-toi, génial! Devine qui a embrassé ta mère sous le gui, Franck. Tu vas recevoir bien plus que du charbon pour Noël. Ah, c'est spécial. Je vais t'ouvrir comme un cadeau. La 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 la. Hein, on a peur? On a peur? Oh, on est mort? Je pense pas que je parlerai de ça dans mon livre. Ok, donc là on vient de tuer un psychopathe. What the fuck? Le gars est revenu, tranquille, ouais, en fait j'étais pas mort en fait, c'était une blague. J'ai le sabre. Oh oui, oh oui. Ah ouais, pour ceux qui se demandent, oui, j'ai trouvé tous les endroits que je cherchais pendant le live, pour ceux qui étaient là. Et franchement, celui de l'hôtel se trouvait dans les toilettes de l'hôtel. Oui. C'est loin. Ah cool, c'est là où je dois aller pour un plan. Par contre, je vais pas passer par là. Attends, est-ce que je fais mon connard? Est-ce que... Attends, je suis où? Ah non, je vais passer par là parce que ça, je vais mettre 300 ans à y aller. Attends.
Ah, et même les zombies chiants sont transformés, hein. Tout alors, comme si c'était des PNJ. La 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 la. Allez, allez, vive Eva! La 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 la! Voilà, ça c'est pour vous. C'est de la maison. Ok, bon. Allons-y. Ah, à vous, ils sont trop marrants, les zombies comme ça. Hein. J'ai hâte de voir le prochain DLC, parce que sincèrement, déjà... Comme ça. L'événement, je vais pas le faire là, parce que je l'ai fait tellement de fois en farmant. Oh là là. Enfin, en farmant. En cherchant les objets. Il y a un homme d'Obscurus ici. Quelque chose a dû les faire fuir. Ouais, mais quoi? Est-ce que c'est ton humour? C'est ton humour, Frank West? Et là on fait pouf. Hop. Ok. Alors. Une question. Il faut aller là au-dessus, mais il y a quelque chose en dessous, je crois, c'est le plan. Pas de conneries. Non. Ah voilà le plan. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, comment on fait ça? Arme à distance en plus. Alors il faut un ordinateur plus une arme. Un ordinateur. On va reprendre l'épée de glace après. Plus une arme. Il y en a une là normalement. Une vieille recette familiale. Même pas. Plus une arme. Ah peut-être là-dedans. Si j'ai de la chance. Non, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre ça. Je vais sacrifier mon épée. Non, je vais sacrifier ça. J'ai trouvé une arme. Ah bah voilà une. Allez. Tu veux bien faire le... C'est une arme à feu, gros. Bah allez, le... Bon. On va le prendre. T'as bien dit que c'était un ordinateur, espèce de... Ah, c'est peut-être celui-là. Ah, oui. Oh shit! Qu'est-ce que c'est que ce truc? On le testera après. Ça, tu jartes. Et on récupère ça. Alors. Papalalalala. Alors, il y a encore un truc en dessous. Donc, ça, on va y aller après. Une armure assistée. Voyons ce que contient cette caisse. Ouais, c'est une armure assistée. Ouais, allez, on va la prendre pour vous montrer. Alors, Frank, es-tu assez responsable pour utiliser ça? On s'en fout. Alors, vu que nous nous laissons la part, on va passer par là. Ouais. Non, descends. Salut! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver! Ah, attends, il y a un truc à prendre ici. Et bien sûr, j'ai la clé. C'est quoi? Oh, une arme à feu. Venez ici. Oh.
était censé être un appui pour les troupes d'Obscurus. Tous ces zombies. Voilà ça. Oui, la caserne. Alors, attends. Il y a ordinateur. Ok. Comment on enlève l'armure? Comme ça? Comme ça? Non. On enlève comment l'armure? Aucune idée. Il faudra attendre qu'elle s'épuise. L'armure me casse un peu les couilles en fait pour crafter des armes. On va attendre qu'elle. Allez. Ouais. Allez, l'armure de merde. Ah, c'est bon. Oh mon dieu, Iron Man, parti. Voilà. Voilà. Comme ça, je peux prendre. Attends. Je peux prendre. Ah merde, il me faudra un parapluie. Ouais, allez. Voilà. Alors, bon. Voilà. Quatre avant-postes. La mairie, l'appartement du drugstore, la caserne de pompiers et la casse. Ah. Quelque chose lui a dévoré la figure et l'a pendu là. Ah bon? À ce point? Ouais, dévoré, c'est vite dit, hein. C'est vite dit. Désolé. Ah, attends. Oh. Allez, on va se mettre en mode pompier. Voilà. Mais... Attends, remets les bottes de... Attends, mais... C'est les bottes de pompier, là? Non. Voilà, là, c'est bon. Allez, le casque. Voilà. Ok, bon. Je peux créer quoi avec ça? Il me faudrait une lame. Je n'ai plus de lame. Ouais, ne vous inquiétez pas, c'était juste pour ouvrir la porte. Ah d'accord, la porte ne reste pas ouverte, ok. Alors... qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Là-dedans. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? D'après ça, plus de 100 soldats ont péri en chassant cette chose. 100? Il faut que j'aille à la casse. Quoi que soit cette chose, elle a une sérieuse dent contre Obscurus. Ok. Alors attends. Il y a un objet à prendre ici, mais je ne sais pas où. Il me reste un objet à prendre. Et on va savoir où il est, cet objet. Donc, deux petites secondes, les gars. Je cherche l'objet. Il y a peut-être un GSM à prendre. Fort possible. Ah non, c'est ça. Wow, il y a du monde! Oh, désolé, j'avais pas vu. Alors, désolé. Ouais, je suis 73, parce que... comme j'ai dit tout de suite, en fait j'ai farmé les. Comment dire, les plans. Et donc désolé, j'avais pas fait attention.
Le Season Pass, bah, pour l'instant, je trouve utile dans le sens où les zombies sont déguisés pour Noël, et même les PNJ. Maintenant, connaissant le 3, ils vont faire d'autres histoires par rapport à ce qui se passe les événements ici. Donc pour l'instant, 20€, c'est pas cher. Désolé, je suis vraiment désolé. Ouais, désolé. Donc, ouais. Donc, si jamais tu comptes le prendre, donc il est à 20€ le Season Pass, et donc tu disposes de trucs intéressants dans le sens où t'as des zombies qui sont transformés, mais tu peux changer, tu peux à tout moment remettre la version normale. Et ça change aussi en fait certaines armes de base, par exemple la batte de baseball. Eh ben, c'est une batte de baseball entourée de guirlandes, par exemple. La masse, elle est je crois que c'est un bâtonnet un bonbon, je crois que c'est un truc comme ça. Mais franchement, si t'as 20€ à perdre, prends, parce que bon, c'est pas un jeu qui se prend en sérieux, tu vois. Il y a 6 enquêtes, mais c'est 6 enquêtes qui font... Enfin, qui sont pas pris au sérieux. Enfin, tu prends pas ça au sérieux, en fait. C'est surtout ça, c'est que c'est un jeu, c'est le fun. C'est vraiment le fun, parce que le jeu est sorti pour Noël. Le 6... Même, il est sorti le 6, je crois. Et franchement, moi, je regrette pas cet achat, parce que, bon... en fait, j'ai acheté 15€ au lieu de 20 chez Spartos en Belgique. Moi je l'ai pris. Et j'en ai fait profiter mon ami Capitaine Caverne. Wow, c'est quoi ça? Wow, ça les téléporte? Si jamais je vais faire ma pub, je vous le dis, je vais faire ma pub. Si jamais vous avez envie de vous abonner. Ah, attendez, 2 petites secondes, pause pub, 5 secondes, je fais ma... je... Voilà, si jamais vous voulez vous abonner sur la chaîne, la caverne de gars, j'ai mis le lien. Ouais, j'arrive. Ah, mais excuse-moi. Je fais ma pub. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Il y a de l'humour. On fait les cons. On parle de manga, de films. Il y en a trop, quoi, ma vieille. Je fais comment pour gérer tout ça? Ah, attends, je sais. Attends. Ah, voyager. Comme ça. Voilà. C'est bon, les zombies sont morts? Ah ouais, ils sont morts. Ça va. Merci mon pote. De rien. Ah ouais, mais il faut que je vous montre les véhicules après. Mais je connais pas encore bien les endroits où il y a les véhicules. Ah, et si jamais je coupe un moment. Si jamais tu veux voir la carte, donc voilà la map. Donc au début tu commences ici, donc tous les petits carrés c'est les endroits à visiter, tu gagnes de l'XP. Pour te dire, j'ai pour genre tu visites genre 5 lieux, tu montes facilement 2 à 3 niveaux vu que tu butes les zombies aux alentours. Donc c'est ça qui te fait monter très très rapidement, il y a des chambres secrètes. Et donc un conseil, si tu commences le jeu... reste dans la zone, ne va pas faire la quête principale, parce qu'en fait tu peux monter ton abri jusqu'au niveau 5 pour débloquer justement des trucs qui te permettent justement de savoir où sont les clés, les plans, ce genre de choses. Et moi j'ai dû m'amuser à farmer ici, je suis arrivé niveau 71, tu vois. Enfin, tu vois le truc, et du coup j'ai encore 7 zones à faire après, puis celle-ci. Donc
Ouais, on fera le 3, bah, si tu veux, Xeno. Soit on fait les, on fait genre à la cool, on fait des lives juste pour se poiler, tu vois. Mais c'est comme tout le temps. Maintenant, si je demande à Olivier, enfin, Olivier qui est de Capitaine Caverne, va me demander, ouais, il nous faut des contenus. Donc, je sais pas. Je verrai avec toi et si ça te branche de le faire en. Sur la chaîne, quoi. Bon, allez, on y va. Bon, je sais pas à quoi je vais m'attendre, hein. Et tout de suite, hein. Un truc qui a tué 100 personnes. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ah, attends. Deux minutes, peu là. Je prends la photo là. Chut. Je prends la photo. Ouais, pas mal ici. Il y a aucun zombie par contre. Salut. Est-ce que tu veux que je te sauve? Ah, pas de soucis, hein, si tu veux streamer aussi, ça fera deux points de vue, quoi. Par contre, on va faire de ces conneries. Bon, bah on va lui parler, hein. Voilà, Poula. J'allais justement t'appeler. Chut, la casse grouille de soldats d'Obscuris. Ouais, oh. Je me prêtais à... Hé, hey, tu pourrais pas rester ici pour me couvrir? Ouais, entendu, je couvre vos arrières. Tu veux couvrir avec quoi? T'as rien, t'as pas d'armes. Par contre, j'entends des zombies. Non, c'est là-bas. Ok, alors attends, du coup, on rentre par où? T'es sérieux? Tu crois que si je l'avais vu, je serais encore là? Ah, par là, peut-être. Ok. Alors attends, on va mettre des points. Parce que, ah oui, si vous devez savoir ceux qui s'intéressent. Ok, Jonah, merci de venir. Donc voilà les points. Et donc ce que vous devez savoir, c'est que les points de ferraille qui vous servent à acheter des objets sont utilisés dans le multi, mais aussi dans le solo. Donc faudra si vous voulez bien farmer, bah, vous farmez en multi sans problème, quoi. Et le multi pour l'instant comporte 4 épisodes. J'espère que dans les prochains DLC ils vont en rajouter. Donc les 4 épisodes c'est dans la première zone, donc dans le centre commercial. J'espère qu'on va pouvoir sortir parce que sincèrement il y a tellement de trucs à faire. Oui. On va essayer de se mettre en mode ninja. Et peut-être augmenter notre tir. Ah, attendez. Désolé, j'ai... En plein live, quelqu'un me dit quoi? Olivier. Alors, bonne année à toi. Denisette nous rapprochera blindé d'abonnés. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. D'accord. Ah là là. Oli. Je vais garder mon point, ce point-là, parce que dans une information, si jamais, en fait, ici et là, il y a une femme qui va vous demander un point à dépenser pour pouvoir trouver les plans, donc les plans d'armes. Et si je me rappelle bien, là aussi, elle m'en a demandé un. Donc gardez toujours au moins un point, parce que vu qu'il y a encore une et deux abris, faut gérer, quoi. Par contre, le système de... Comment dire? Le système de spawn comment dire? Farmer très rapidement le niveau 5. Hein. Oui, je suis déjà accroupi, ma vieille. Hein. Par contre, voilà, là il y a une wipe. Nous sommes en mode ninja, nous portons une bonbonne et nous sommes en mode discret. Ah, est-ce qu'on peut prendre une photo? Voilà, lui, il va mourir. Il va mourir. Donc franchement, je suis content, là. Il y a 9 personnes, là. Franchement... Il rejoue et puis... Il repart. Bon, allez, on y va. Il y a des clés. Je dois atteindre les clés. Je dois faire plus d'heures sur le terrain pour mon évaluation annuelle. La cible?
va mourir. Non ! Ils m'ont repéré ? Oh putain ! Ah, c'est pas vrai. Je vais aller voir de plus près. Ah ah ah. Faut que je dorme plus. Moi, j'ai déjà fait ton mode infiltration. Bah, d'où tu me crames? D'où tu me crames? Oh, fuck it! T'inquiète, moi je dis! La discrétion! Wow! La discrétion, ça n'existe pas! Je fais du bruit! Bah, apparemment, il n'y a pas d'alerte, ok, d'accord. Alors, attendez, normalement, ici. Attendez, c'est où? Ah, là, le casier, il est là. Hop là! Et c'est quoi? Ouais. Fusil d'assaut, on a pas besoin. Ah, attends, il y a une trousse ici. Là, mais prends la trousse. Merde. Alors, voilà. Ouais, ben en fait, je trouve ça quand même bien qu'ils ont séparé le multi et le solo. Parce que ça permet de faire des objectifs différents. Du 3 en fait. Maintenant il y en a qui aiment pas hein. c'est chacun ses goûts hein. Mais moi je sais pas, j'aime bien comment c'est. Putain, ils m'ont... Attends, ils m'ont pas cramé. J'ai lancé des obus, 3 ou 4 obus, et les mecs là-bas, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas entendu. Les gars, faut. Je sais pas comment on fera terrain, si ça transpire. Hey, les gars, je suis... J'ai... Non mais. Bon, on va essayer d'avoir celui-là. Allez. Est-ce qu'il m'a vu l'autre? Non. Bon, il y en a un qui se plaint déjà. Il est où le dernier? Il n'y avait pas un autre? Wow. Est-ce que tu montes? Est-ce que tu descends? Allez ma biche. Oh, tu fais quoi? Ok, je vais venir te chercher. Hop là, ninja! Ok, il lâche du soin comme ça, d'accord. Tranquille. Non, franchement, ce jeu, moi, je l'attends. LOL! Tu m'avais pas vu? Tu m'avais pas vu? Non, ce jeu, je l'attendais parce que, sincèrement, il y a tellement de fou rire dans... Dès le début. Oh! Putain, si seulement j'avais une case, j'aurais pu faire Snake. Parce qu'on est dans une case, quoi, donc... Alors, comment je vais... Il a l'air en mode combat, là. T'es en mode combat. Ça va si je passe par là? Bon, normalement, je pense que savoir pourquoi il ne me voyait pas, parce que vu que j'ai augmenté ma discrétion à fond, ça pourrait expliquer ça, mais bon. On contourne. Tadam, 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 tadam. La musique, tu es mort. Et voilà. Bah non, parce que en fait, regarde, attends, je crois que c'est parce que j'ai augmenté les capacités de discrétion. Attends, je vais regarder ce que ça fait, le dernier. Améliore l'efficacité de l'infiltration, donc je pense que c'est ça. Et repère les ennemis spéciaux depuis grande distance. Donc je pense que c'est parce que j'ai mis le dernier, en fait. Parce que je vous dis, l'infiltration jusqu'à présent, c'est le seul... La deuxième fois que je le fais, hein, l'infiltration. Bon, alors. Ah, attends, il y a un graffiti quelque part ici. Comment je fais pour y aller? Ok, on va aller juste chercher.
Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il est le truc? Au-dessus? Ok, faut aller au-dessus. Comment je fais pour monter? Ah, par là. Ouais, du coup, je vais faire plein de blindés de trucs. Je sais pas si lui va me voir. Qui est là? Ah ouais, c'est ça. En fait, les autres m'entendent moins, quoi. Mais bon. Alors, donc il faut que je monte là. Je monte là. Désolé pour les trucs, mais en fait, ce jeu, j'ai vu le succès. Ce jeu est faisable à 100%. Alors, hop là. Du coup, bah, je fais chaque zone à la fois parce que bon, c'est. Ce qui est bien, c'est qu'on peut recommencer les enquêtes. Ça, c'est vraiment bien. Avec le stuff, enfin, avec les améliorations qu'on a déjà. Hein. Donc, le niveau et tout. Hein. Donc, si vous voulez faire une fois le jeu et puis refaire tout en mode genre. Je fais le jeu uniquement avec les points, vous pouvez le faire. Hein. C'est faisable. Hein. D'ailleurs, il y a un succès en multi. Enfin, deux succès. C'est un succès où il faut terminer un épisode sans manger. Et un succès où il faut terminer le jeu uniquement avec les points. Et ça, franchement. GG quoi. Franchement le... C'est assez chaud avec déjà les monstres... je dois repasser par l'autre côté. Merde. Tout, 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 tout. Je suis le pompier de la caverne Belga. Oui, on fait tous les métiers nous. Tous les métiers. Oui. Par contre je suis paumé là. Je dois rentrer dans le bâtiment là. Attends. Ah ouais, un truc, parce que... Regardez, ah. Oh yeah. Ah. Ah. Hé, moi, ce visage. La peur. Attends, sors la langue. C'est lequel, la langue? Allez, hein. Sors la langue. Ah, la langue, c'est en dessous. Ah. Voilà. Ah, il ferme les yeux en plus. Bon, on reprend. Désolé pour le selfie, mais voilà. Alors, gauche ou droite? C'est verrouillé. Ça, je peux pas y être. Donc, ouais, c'est bien par là. Bon, on va accélérer un peu parce que là. Par contre, je sais pas par où je dois passer. Ah bah par là, d'accord, je pensais... Je sais pas ce que ça passe. Ok, d'abord... On va faire le tour avant d'aller à l'objectif. Tenue tactique, allez hop. Ah, c'est donc ça qu'on sent de l'autre côté des menottes. Ouais. Là, j'aurais tellement voulu avoir la tenue de Snake. Ça aurait été tellement abusé. Bah allez, prends. LOL. Non, non, je veux pas le prendre. Non, non, en fait, t'as trop de thunes, gros. Non, il veut pas. Le personnage ne veut pas. Ok, ça va, ça va, ça va. C'est sympa. Mais tu vas fouiller quand même. Ouais, d'accord, il veut pas. Je sais pas pourquoi. Le... Infiltration peut-être pour ça. Bon. On n'a pas rencontré d'autres soldats par cela, c'est bizarre. Ah, cinématique. Bien reçu, bientôt sur place. Ah, la salope. Bon, soyez brève. Un groupe armé vous a attaqué hier. Deux de vos hommes sont tombés.
En effet, un homme et une femme. 10 ans de bons et loyaux services. Je sais tout sur le prochain raid. Je sais combien ils seront, je connais le nom de leur chef. Je sais où ils planquent leurs vivres. Avec ces informations, vous pourriez empêcher un tas de morts inutiles. Que voulez-vous ? 30 minutes, en privé. Mais qu'est-ce que tu fous, Vic ? Commandant, j'ai surpris ce civil en train de manipuler l'un de nos ordinateurs. Merci. C'est bien fait, le fait que j'ai une... que je suis... En déguisement, la voix prend en compte que je suis en déguisement. Une douche, il sent le butoir. À vos ordres. Alors, mademoiselle, ah, lui, c'est le mec que j'avais vu au début. Non, elle vient avec nous. Dans quoi t'es en train de te fourrer, Vic ? Monsieur West, dommage que vous ne soyez pas aussi utile que votre ami. Descendez-le. Oh merde. Ah oh shit! Alors comme ça, on vous laissera célèbre. Ouais, j'aime de voir deux femmes se battre pour moi. Oh non! Du calme, on peut parler, non? On va avoir moyen de s'arranger. La 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 la. Oh, oh. Tu sais, on peut dire des trucs d'amour. Et... Alors, tu me rappelles bien quoi? Quoi faire et... Ah! Wow! Le bug! Allez, envole-toi! C'est quoi? Ah, je peux changer de vue, ça c'est bien. Ça va pas durer longtemps, hein! Je crois pouvoir alors... me couler le scoop en faisant ami-ami avec cet arrêt. Paula, 2 petites secondes. Il y a des trucs à prendre. Il y a un GSM, déjà. Alors, hop. Voilà. Ensuite. 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 Il n'y avait pas autre chose à prendre. Bah, elle est où là? Attends. Ah, attends. Oh, la tenue de mécano. Oh, c'est la même tenue que dans le 3. Attends. Attends, faut que je voie. Est-ce que c'est la même tenue? Putain, pas moyen de voir. Ah, bordel! Ouais, je crois que c'est la même tenue que dans le 3. Ah, putain. Hop là. Il y avait une clé à prendre ici. Pour là, mais... Ah, c'est une clé, clé. Où est-ce qu'elle est la clé? Désolé, hein, je cherche parce que... Ah la vla, putain, elle était pas marquée sur le curseur. Voilà. Donc de là, on y va là. Ta-ta-la-la. Non mais ouvre pas là. C'est là que je veux que tu ouvres. Passage secret. Regarde parce qu'il y a peut-être des zombies. Non, y'en a pas. Yeah. Oh, vous dites, ouais, le boss, tu l'as plutôt buté assez facilement. Bah, vu l'arme que j'avais, c'est logique. Oh! Ouais, allez, on va le faire. En tout cas, merci à Xeno d'être venu sur le live, parce que sincèrement, je me sentais un petit peu sale, vois-tu. Mitraillette. J'ai jamais testé la mitraillette. Ok, bon, bah, on a tout ici. Ouais, c'est bon, ok. Bah c'est bien, je suis content parce que cette zone... Attends, est-ce que j'ai fini toute cette zone? Ouais, j'ai fini toute cette zone. Je me demande où je vais aller après. Sans doute là. Ou là-bas. Bon, on y va, let's go. Ouais. Ces ordures ont capturé Darcy. T'as vu de quel côté ils sont partis? Ouais, je sais, mais on sait jamais. Je veux dire, tu veux passer ta vous allez les pourchasser. Sauver au moment Darcy. Avec ta famille, quoi, je sais pas. Ah, attends, toi, je t'ai pris en photo. Ouais, les photos, les personnes comme eux, parce qu'en fait, ça fait partie
des renseignements en tant que journaliste. Genre les tout premiers personnages que vous rencontrez, c'est forcément ceux qui sont ceux du multi en fait. Hop là. Bah, on est maté de journaliste. On va se concentrer sur ce qui se passe ici. Par contre, je dis pas non à un véhicule. Allez, hop. T'as envie de jouer au 3? L'année prochaine, je pourrais te dire. Donc il y a pas de souci, hein. Moi tout est installé. Obscuris traque quelque chose. Je pense sérieusement que c'est un monstre zombie particulièrement horrible. Un monstre zombie? Vous êtes sérieux? Ouais. Je crois que c'est ce qui a attaqué la galerie marchande. Je vais à Westridge pour le pister. À plus tard. Attendez, Frank, dites-moi. Allô, Paula? Frank, Obscuris a tendu un piège au barrage. Ils vont le capturer là-bas. Vraiment? Ah bah faut que je vois ça. À plus tard. Attendez, Frank, dites-moi. Alors d'abord, on va chercher un véhicule digne de ce nom. J'ai vu la bête qui avait piqué, c'est pas la peine de me remercier. Voilà. Et on va changer de... Pas deux minutes, hop là, on va juste changer de... De vêtements. On va mettre un vêtement que j'adore. Ah, Ludo vient de se connecter. Ludo qui est dans le chat. Entendu dire que tu es dans le 3. Problématique, pas forcément parce que en fait, bon, je vais pas vous spoiler de trop, mais en fait le 3, le temps est... je suis bien content d'être ici. Est une fausse... Enfin, c'est un faux temps en fait. C'est-à-dire que... vous faites mordre. Attention, je dis pas trop. Et le truc, c'est qu'on vous donne un temps, mais vous avez le temps de faire tout ce que vous voulez. Si jamais vous n'avez pas réussi à arriver à temps pour les missions, rien ne vous empêche de relancer le chapitre. C'est pas un problème. Mais non, franchement. Mais le meilleur, c'est quand même de jouer en coop. Hein. Que... Ah oui, il y a un truc aussi, si je me rappelle bien. Quand vous avez l'occasion de tuer un psychopathe, tuez-le. Parce que d'après ce que j'avais vu sur un live, au bout d'un moment, ils disparaissent. Je pense que c'est en fonction de la mission, en fait. Genre, ils sont disponibles dans le chapitre 3, pas dans le 4, tu vois. Alors, je vais mettre la tenue de Vega. Oh... Ou alors je mets la tenue, la dernière tenue que j'ai débloquée, mais je sais pas si elle est... Est-ce que ça me fait un gros... je sais pas... Non, on va pas mettre ça. Allez, on va se mettre en Père Noël parce que c'est stylé. Les traumatismes de mon enfance sont en train de remonter. Eh ouais. Merci du coup de main. Alors bon... Mais si, enfin, moi, le 3, je l'ai eu gratos, je l'ai filé à Xeno. Parce que je l'avais déjà acheté à 10€ en occasion. Et vu qu'en fait, ils faisaient une promo au Smart Toys en Belgique. À l'achat du 4, enfin, en précommande du 4, tu recevais le 2, enfin, le 3 gratos. Donc, avec tous les DLC inclus dedans. Vous êtes vraiment cool. Allez, hop, on va prendre un... Vous voulez quelque chose? On pourrait prendre une voiture de... C'est quoi ma préférée déjà? Un truc qui va... Je pourrais prendre la moto, mais elle est... Allez, on va prendre mon préféré. Pas de problème. Mais non, pour le 3, le cop est vraiment mieux, hein, franchement. C'est le plaisir de buter des zombies avec son pote. Maintenant, au début, c'est assez dur de commencer parce que bon, vous avez très peu de vie. Y a quand même de l'humour, enfin, il y a de l'humour, mais. C'est à vous de vous
poilé parce que bon, l'histoire c'est genre ouais mon dieu c'est grave, il y a des zombies et là vous voyez, olé, personne n'est tué des zombies olé. Et je me barre. Par contre attends, je ne sais pas vers où il faut que j'aille. Tu veux que j'aille où? Wow, doucement. Ah tu veux que j'aille là? Ok ben je vais prendre par là. Je suis dans le mauvais sens. Ah là 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 là. Allez hop. Allez, et on accélère. Ah. Voilà. Voilà. Non, le combat à l'approche, je le fais pas. Twitter a quand même pas mal de freeze en ce moment. C'est pas ma connexion, je vous rassure tout de suite. Si vous avez des freeze, je suis vraiment navré. Parce que... Ah. Merde. Ah, elle est tellement sublime comme c'est ça. Perdu. Bon sang. Oh non. En faire dodo. Oh. Non. On va kidnapper le Père Noël. Oh non. What? Oh tiens, le Black à gauche, c'est un des personnages du multi, si vous posez la question. Et lui, je vais le prendre en photo, lui. Dès que j'ai la possibilité de le prendre en photo, je le prends en photo. Et voilà, je fais dodo. Est-ce que je vais avoir mes biscuits après? Et mon... Et mon... cacao chaud ou mon lait chaud? Que venez-vous faire ici? Quoi? What the fuck? Qu'est-ce que vous foutez ici, l'artiste? Non mais ça veut dire quoi, votre question? Qu'est-ce que je fais ici? Ces pecnos m'ont drogué et traîné jusqu'ici, ah, cool. J'avais rien demandé. Bah, c'est bon à savoir, Xeno. Vous êtes photographe? Ouais, je bosse pour National Geographic. On m'a envoyé photographier la vermine qui sévit dans le coin. Et bingo! Je vous ai trouvé! Super. Deux. Pas de vivre, mais il nous envoie deux foutus journalistes. Oh là, attendez. Vic, elle était là? C'est votre collègue? Pas vraiment, mais je suis un peu son professeur. Vous avez de l'influence sur elle? En théorie, oui. Écoutez, il n'y a que des citoyens bons et honnêtes ici. Avant ça, j'étais fermier. Les autres, plombiers, commissaires priseurs, bouchers... À présent, on est soldats, Franck. Le monde n'est plus le même. Ah, t'as tronche aussi. La mettre et prendre de belles photos, vous devrez devenir soldat vous aussi. Mon soldat. Cette salope de Vic. Je l'ai recrutée. J'ai partagé nos ressources avec elle. Et ça a été des questions à l'appel. Elle voulait tout savoir de nos raids contre ces salons de militaires. Quoi, où, combien d'armes on emportait. Je la croyais de notre côté. Je la croyais les de notre filles, côté. Franchement. Du coup. Mes gars se retrouvent là-bas, coincés dans une putain d'embuscade, parce qu'ils savaient qu'on arrivait. Ok, je saisis le problème. Je vais m'occuper de Vic, d'accord? Mais j'aurais besoin d'un service en échange. Comme tout le monde. Désolé. Je dois entrer dans ce barrage. Ah. Non, écoutez. Ces types, ils manigancent quelque chose. Je dois découvrir de quoi il s'agit. Ouais. Franck. La seule qui saurait comment entrer dans ce barrage, c'est Amand, mon ingénieur. Elle était en charge du raid, celui pour lequel votre copine nous a poignardé dans le dos. Écoutez, je suis votre meilleure chance, ok? Laissez-moi aller m'occuper de ça. Je sais pas. Mon appareil photo, s'il te plaît, y a mes photos coquines avec une zombie, Cindy. Bon, okay. Voilà quoi. Ok. Mais hé... Hey.
Vous avez pas intérêt à merder, West. Oh, tu touches pas à ma barbe. Elle est soyeuse. Je suis le Père Noël. Ho, ho, ho. Mettez-le au parfum. Excusez-moi. West, alors toi, deux minutes, qu'on je te prends photo. Voilà. Voilà. Ça mérite d'écrire quelque chose dessus. Ce mec-là est dans le multi. Allez, West, en route. Ouais, allez, deux minutes. Je regarde ce qu'il y a à prendre pour... Alors, une masse... ouais, je la veux bien, la masse. Bah, et donc, la masse... On va essayer. Elle est en sucre d'or, je crois. Ah non, là pas, c'est bizarre. Oh, il y a un truc, il y a un journal. Ça c'est bon. Ouh, il y a un plan. Bon, ok, c'est quoi ça? D'accord. Alors... Ah, j'ai gagné un succès. Inventeur... Modiste, ok. Alors c'est quoi le cadeau que je viens de recevoir? Où est-ce que tu es? Ah, ces trucs là. Papier surprise et ok. C'est sans doute ça. Ouais, à place de ça. Et quoi? Ah, j'ai pas regardé, attends. Attends, c'est quoi et quoi? C'est quoi et quoi? Et explosif. Ah non, j'en ai. Hop là. Ah oui, je me rappelle de ce truc. En multi, tu les lances, tu les fous sur les zombies, ça les fait exploser. Ok, des sauts. Ah, lui, il faut le prendre en photo aussi. Je dois m'appliquer. Attends. Celle-ci, je la mets de côté. Voilà, je suis à 9 sur 16. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des noms? Attends, on va pas te parler tout de suite, toi. Je suis dans une grange. Oh. Pantalon de cow-boy? Attends, il y a forcément le chapeau de cow-boy dans le coin, non? Est-ce qu'il y a des vêtements? Désolé, hein, je cherche juste... à m'habiller. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, un tracteur! Ouh, le tracteur! Ah! On te dit quelque chose? Où? T'es où? T'es où? Une minute. Je cherche. Il est où? Ah, peut-être dehors. Ah, attends. Bah. Je suis aveugle? Attends. Ça me dit qu'il est là. Je suis fou? Est-ce que t'es au-dessus? Bah, t'es où? Attendez, hein, je cherche ce putain de GSM. J'arrive pas à croire que ça marche. Où est ce GSM? Ah, il est peut-être... Non? Alors, je crois que je suis devenu fou. Mais j'entends le GSM. Ah, il est peut-être en haut. Ouais, putain, je suis con, moi. Il y a un moyen de monter en haut? Non? Ah, si, là. D'accord. Désolé de devoir chercher comme un con. Alors, ça, c'est quoi? Oh, ça! Oh, mon Dieu! Ça, vous savez ce que ça fait? Ce truc-là, vous le lancez par terre, ça absorbe tout. Donc, ça aspire tout, comme un aspirateur. Et c'est un moyen de gagner du pognon avec les zombies, parce que vous pouvez l'utiliser, mais genre, je sais pas combien de fois, une vingtaine, trentaine de fois. C'est abusé. Alors... Où est-ce qu'on est? Ah, du coup, on est là. Alors, ce que je vais faire... Je vais d'abord aller là, si je peux y aller. Je vais débloquer cet endroit. Je vais pas lui parler à lui pour l'instant. Donc, la quête principale, on la fait pas tout de suite. Donc, voilà.
Je vais voir si les gens qui sont là, je peux pas les avoir comme en photo. Il paraît qu'il va y avoir une danse dans la grange demain. C'est plutôt sympa, non? Oh ouais, remontons le temps pour nous trémousser sur un bon vieux rock, histoire d'oublier notre mort. Tu veux dire que tu viendras pas avec moi? Je crois que tu t'es pris un râteau, mais bon, je veux rien dire. Peut-être. Bah franchement, je suis surpris, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui viennent, quoi. Par contre, attends, est-ce que je peux prendre la voiture? Oui, je peux prendre la voiture. Bon, j'y vais en voiture, hein. Bon, je viens plus tard, hein. Ah merde! Mais qu'est-ce que vous foutez? Allez, les filles! En plein dans le mille! Depuis des heures! Bola? Je suis toujours sans nouvelles de Darcy. Et s'il le torturait pour obtenir des informations? Pourquoi? Il sait quelque chose?